bienvenue dans votre émission Entrepreneurs. On décortique l'entrepreneuriat et aujourd'hui, on a une spéciale pour l'emploi, le travail. Hein. Donc, vous connaissiez déjà Officium Conseil. Ils sont avec nous cet après-midi. Ils ont des offres d'emploi en plus qui sont très bien rémunérées. Ils ont fait un événement. On va les retrouver dans une minute sur le plateau. Comme ça, ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Mais avant, bien évidemment, on commence avec la phrase de Tony Jazz. Quel est le contraire d'abandonner ? Réussir. Donc là, nous sommes dans une crise et il va falloir sortir de cette crise. Donc c'est vraiment le contraire d'abandonner. Donc c'est une très bonne phrase qui a été envoyée par notre coach Tony Jazz. Comme vous le savez, c'est le Guadeloupéen qui a participé à la campagne présidentielle de Barack Obama et nous envoie toujours des petites punchlines pour pouvoir nous donner l'envie et les capacités de continuer pour voir jusqu'où on peut aller pour réussir vraiment dans notre département. Donc avec nous en plateau, Yannick Jetam, bonsoir. Bonsoir. Ça va et vous ? Super, merci. Alors comment ça se passe en ce moment en Guadeloupe ? On s'adapte énormément. Après les entrepreneurs en Guadeloupe, on était 4-4, donc une nouvelle situation, on s'adapte, on se relève. Les choses ont bien repris aujourd'hui, donc on essaie d'avancer. On essaie d'avancer. Alors vendredi dernier, vous avez fait un zoom pour le retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Après, on va aller du côté de nos intervenants, on va revenir pour en parler. Exact. Alors c'est vendredi de la semaine dernière. Il faut savoir que je gère le cabinet de recrutement Officium Conseil, donc très axé conseil, marque employeur, chasse de tête. Mais à côté, avec mon équipe, on a lancé un média qui se développe timidement sur Instagram. Caribbean Best Place to Work. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir inspirer, former et activer en fait tous les talents qui souhaitent déjà mettre en valeur leurs compétences aux Antilles sur place, revenir, en gros les conseiller. Et vendredi dernier, au vu de tout ce qui se passait, on a fait un live avec notre communauté de manière un peu discutée. Donc c'est un peu l'occasion pour eux de discuter avec un expert en recrutement, mais en mode totalement décontracté, sans langue de bois, sur toutes les problématiques qu'on peut retrouver, que ce soit être trop qualifié, comment trouver du... On a un gros problème sur ça en Guadeloupe. Exact. Ça a déjà alerté l'année dernière. On en avait parlé, allez-y. C'est un problème récurrent. Et là, aujourd'hui, on a essayé de se briefer, de se donner nos idées sur comment mettre en avant sa candidature quand on sort d'une crise comme celle-ci. Parce que c'est vrai que le recrutement va être beaucoup plus compliqué maintenant. Donc les tips, c'était comment se mettre en avant, comment attirer l'attention d'un chef d'entreprise qui se gratte la tête, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc on fait ça régulièrement, on en refait un autre d'ailleurs vendredi. Des fois on va parler de recrutement, des fois on va parler de quand on est déjà en poste, tout ce qui concerne le talent, avant d'avoir signé, pendant qu'il a signé et après. D'accord, Bobin, merci, on revient vers vous tout à l'heure, mais on part du côté du Zoom où nous sommes avec deux invités. Monsieur Eddy Babel, bonsoir. Ça va bien, vous nous entendez bien ? Bien. D'accord, bon bah super. Et monsieur Biram, monsieur Gustave Biram, bonsoir. Monsieur Biram, vous nous entendez ? Oui, je pense que vous m'avez appelé, mais je constate que je n'entends pas grand-chose. Hein. Bon. Donc il y a un gros problème. J'essaie de me connecter sur quelque chose d'autre. On vous laisse vous reconnecter et on revient tout à l'heure. Du coup, on va commencer avec vous, Monsieur Babel. Monsieur Babel ? Oui. Alors, vous êtes spécialiste de l'autonomie alimentaire. En ce moment, tout le monde dans la rue ne parle que de ça, alors que ça fait des années quand même qu'on étudie le sujet au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose qui peut développer beaucoup de filiales et c'est quelque chose qui peut apporter de l'oxygène dans notre département. Est-ce que vous avez un mot à nous dire par rapport à la situation de maintenant et des offres d'emploi, enfin tout ce que vous voyez, ce que vous avez déjà analysé et tout ce qui peut être développé par rapport à cette filière dans notre département, s'il vous plaît. Oui, vous savez, quand j'ai fait mon service militaire et que je suis retourné en Guadeloupe, quand je suis arrivé chez moi, je n'avais pas de diplôme. Je me suis posé la question sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Et en réfléchissant, je me suis demandé quel est le métier que j'allais pouvoir exercer dans lequel je pourrais toujours avoir du travail. Et c'est la cuisine qui est venue le premier dans mon esprit. Et ce qui fait que j'ai mis tout en œuvre pour faire une formation de cuisine et j'ai eu mon CAP. Et ensuite, je suis devenu cuisinier. J'ai même eu l'occasion d'être formateur au centre où j'ai fait ma formation.
Et ce qui m'a permis par la suite de pouvoir justement décrire aussi dans le domaine de la restauration. Donc ce qu'on comprenne aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit et par rapport à tout ce qui se dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on tourne énormément autour du pot de la question de la sortie de cette crise, alors que pour moi les choses sont très simples. Et le mot que je veux retenir le plus dans tout ce système, c'est l'autonomie. Et moi, j'ai l'impression qu'on a peur de ce mot parce que j'ai l'impression qu'on pense que l'autonomie, c'est l'indépendance, en fin de compte. Donc, on a un petit peu peur de cela et on tourne autour de ce mot. Moi, je pars du principe que quand on vit sur une île comme la Guadeloupe, on est à 8000 km de la France. La première chose à laquelle on devrait se soucier, c'est comment nourrir sa population. Et quand on part du principe que dans le monde entier, il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des guerres, là on vit actuellement une pandémie qui est mondiale, et le système même pourrait ne pas répondre à nos besoins vitaux. Et donc la première chose qu'on doit vraiment se soucier, c'est comment se nourrir, comment nourrir un peuple éloigné. Et ça passe par l'autonomie. Donc moi, je constate que on consomme 80% de notre alimentation qui arrive par bateau. Et je me dis que si on changeait la donne un peu, qu'on renversait la donne, qu'on se dit qu'on va construire sur notre territoire 80% de notre alimentation et qu'on laisse les autres 20% pour l'importation. Donc, je pense que ça pourrait développer énormément de choses, notamment le premier sujet sur lequel on devrait mettre le point, c'est sur l'agriculture déjà. Donc, à partir de cela, il faudrait de la main-d'œuvre, il faudrait de l'ingénierie, il faudrait de l'intelligence, parce que c'est vrai que l'agriculture aujourd'hui, il faut la penser différemment, il faut la penser autrement. Bon. Avant de penser à servir les autres, il faut d'abord penser à servir son territoire. Donc, avant de penser exportation, il faut penser à pouvoir répondre aux besoins de la population, et ça passe automatiquement par l'autonomie. Et par rapport à tout cela, ben on peut mettre en place des filières, on peut développer l'agriculture, l'agrotransformation, la recherche sur les plantes médicinales, la recherche aussi sur nos aliments, de manière à pouvoir les utiliser de manière intelligente, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Mm-hmm. On dit souvent que fouille à pain qu'à gaspiller, qu'un mango qu'à gaspiller, parce qu'on n'utilise pas à fond nos produits. Et de ce fait, on pourrait justement permettre à cette jeunesse de réinjecter dans cette économie ben, l'intelligence et sa main-d'œuvre de manière à ce qu'ils puissent avoir un métier pérenne. Parce qu'en répondant aux besoins de la population, ça permettrait justement de créer des emplois qui soient pérennes. Parce que c'est vrai que le gouvernement propose des choses, mais ce sont des choses qui sont éphémères parce que ça dure quoi ? Un an, deux ans, trois ans, après on fait quoi ? Ouais, on retourne encore dans le même principe. Et tant qu'on n'ira pas vers justement un fonctionnement autonome sur le plan de tout ce qu'on peut fabriquer ici, mais aussi sur le plan administratif, on ne sortira pas de cette zone de confort dans laquelle on s'est positionné par rapport à la France. Je pense qu'on est trop dépendant justement de ce qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, on a l'opportunité justement de franchir le pas. Et je pense qu'il est temps qu'on se positionne là-dessus, qu'on commence à réfléchir à cela et qu'on essaie d'envisager justement de passer de l'autre côté et de prendre justement nos responsabilités dans ce domaine. D'accord, merci beaucoup. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez présenté un Guadeloupéen qui faisait des pâtes. Ça, c'est une filière qui développe de l'emploi. Vous-même, vous travaillez plusieurs farines différentes et vous travaillez avec des fours, vous desséchez des... Je vous entends très mal. Je ne comprends pas ce qui est dit. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez avec un jeune qui faisait des pâtes locales. Oui. Donc ça développe une filière. On sait aussi que vous-même, vous travaillez sur la farine. Donc, ça veut dire que vous prenez, que ce soit des patates douces, des fruits à pain, pas mal d'éléments pour faire de la farine. Comment on peut faire pour que dans notre département, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de taxes, par exemple sur la farine, pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie. Comment est-ce qu'on peut développer une filière? Il y a plein de, comme tout à l'heure, vous parliez du fruit à pain qui gaspille pour rien. On a rencontré une jeune femme qui a fait le travail avec le tamarin. Elle fait du ketchup de tamarin pour tout ce qui est condiment. Donc, ça, c'est à développer pour tout ce qui est
roulotte dans, sur notre territoire, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, se dire, voilà, il faut que nos boulangers ici utilisent notre farine de fruits à pain pour faire leur pain. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose de viable ou pas? Puisqu'à La Réunion, c'est ce qu'ils commencent à faire. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait, parce que tant le problème, c'est que tant qu'on ne sera pas organisé pour aller dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de l'autonomie, on ne pourra pas répondre aux besoins ni de la population, mais ni aussi des professionnels qui attendent justement d'avoir des produits justement à leur disposition pour qu'ils puissent travailler. Parce que c'est vrai que la filière de certains produits ne sont pas organisées, ce qui fait que les artisans qui voudraient se lancer trouvent encore que les produits sont trop chers parce qu'il n'y en a pas assez et qu'ils sont obligés de parfois d'aller chercher à l'extérieur certains produits parce qu'il n'y en a pas assez sur le territoire. Et on a justement cette possibilité d'aller vers ces secteurs. Ça permettrait justement de créer de l'emploi et de pouvoir justement répondre à cette demande qui je pense, commence à être attendue par rapport aux professionnels, mais aussi par rapport à monsieur tout le monde qui cherche aussi à changer de manière de s'alimenter. D'accord, ben merci beaucoup pour votre intervention et nous reviendrons comme d'habitude vers vous, on fait un suivi. Je voudrais juste rajouter aussi rapidement. Que c'est vrai que l'autonomie, on en parle de manière politique, mais ce n'est pas uniquement une affaire politique, c'est oui, aussi l'affaire de chaque Guadeloupéen parce que c'est le Guadeloupéen qui est le premier consommateur. Et ça ne servirait à rien si on se lance dans l'autonomie, si chaque Guadeloupéen ne s'implique pas aussi dans cette politique, dans cette aventure, de manière à ce qu'il devienne consommateur de produits locaux. Oui, effectivement, c'est l'autonomie alimentaire. Donc ça, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait déjà ouvert dans cette émission. Est-ce qu'on a Monsieur Biram? Monsieur Biram, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va mieux? Oui, effectivement, ça va un peu mieux, mais bon, il y a toujours des problèmes de son. Bon, en fait, bon, alors rapidement, est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît, par rapport aux annonces du Premier ministre? Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer en Guadeloupe. J'imagine que pour l'instant, peut-être que vous attendez. Ce qui a été dit, c'est que les vacances de Noël ne seront pas avancées. On ne sait pas comment ça en est, enfin on ne sait pas comment ça va se passer du côté de la Guadeloupe. J'imagine que vous allez voir avec la rectrice et après vous allez nous faire un point. Par contre, pour le passage du protocole sanitaire au niveau 3, il recommande de fermer les classes à partir de 3 cas positifs et il demande le port du masque obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur pour les élèves, le personnel et les enseignants. Les cours d'éducation physique doivent se faire au maximum à l'extérieur. Et à partir du 13 décembre, ils demandent à ne pas mélanger les classes à la cantine. Donc, est-ce que vous pouvez réagir et nous expliquer comment ça pourrait être adapté sur notre territoire, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal 10. Donc, il faut déjà savoir que les annonces du Premier ministre, les annonces d'aujourd'hui concernent la France pour le moment. Si on regarde bien, on a toujours été classé de la France. Donc les annonces que le Premier ministre a faites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation particulière en France où effectivement il y a une augmentation du nombre de contaminations, une augmentation de contaminations, je dirais surtout au niveau des classes, au niveau des élèves. Alors maintenant pour nous, il faudrait peut-être attendre quelle est notre situation exacte. Et bon, très certainement, je crois que l'ARS et le préfet, donc en général, ils font une présentation le mercredi. Je ne sais pas s'ils vont faire une après-demain ou bien s'ils vont faire la semaine prochaine. Mais cette situation-là, je dirais, ne nous concerne pas, je dis pour le moment. Par contre, c'est vrai qu'il y a une nouvelle annonce qui va nous concerner, c'est-à-dire que le Premier ministre, il a décidé de faire la vaccination des enfants à partir de 5 ans. Mais pour le moment, il me semble qu'il a parlé des enfants à risque. Oui. Parce qu'on sait très bien que là, il y a un véritable problème. Et c'est vrai que même les experts n'ont pas encore pu être au clair sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants à partir de 5 ans ou pas? Je sais que dans certains pays, on a pris la décision. Aux États-Unis, on a pris cette décision. À Cuba, on vaccine tous les enfants à partir de 12 ans. Mais en fait, pour la France, ce n'est pas encore réglé. Donc, on ne sait pas encore exactement. Mais c'est vrai qu'il a un pas supplémentaire. Les enfants à risque seront vaccinés à partir de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle enfants à risque? Ce sont en fait les enfants qui risquent
d'être hospitalisé, d'être hospitalisé et d'être en grande difficulté par rapport au virus. Pardon? Oui. Pour le moment, on a constaté que, en principe, les enfants ne développent pas des formes graves. Donc, la question qui se pose, est-ce que, même si les enfants ne développent pas des formes graves, mais comme la plupart des contaminations qui se font en France se font à travers les enfants, mm-hmm. même si les enfants ne développent pas des formes graves, la plupart des contaminations se font à travers les enfants. Donc, pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas sauté le pas. Ils préconisent la vaccination seulement pour les enfants à risque. Et au niveau de la Guadeloupe, on ne sait pas encore quelle est notre situation exacte. Mais encore une fois, je le redis, on est en décalage par rapport à la France. La situation de la Guadeloupe n'est pas la situation de la France. D'accord. Bon, donc, ben, on attend. Bon, ben merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous revoir la semaine prochaine, mais cette fois-ci par téléphone. Je pense que ce sera peut-être plus pratique. Donc, on va vous refaire un point avec vous la semaine prochaine, de manière à ce qu'on puisse suivre un petit peu comment ça se passe au niveau de nous en Guadeloupe et de notre rectorat. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Écoutez, ça influence énormément déjà le travail de tous les entrepreneurs en général. Ça influence également le monde de l'emploi. Je rebondis sur ce que M. Bebel a dit. C'est vrai que je suis également d'accord en fait que l'autonomie, finalement, elle est surtout économique. Le Guadeloupéen est le premier investisseur de son pays. Chaque euro qu'il va dépenser va influencer finalement la direction à prendre. Et souvent, l'argent qu'il va dépenser en Guadeloupéen va avoir beaucoup plus d'impact qu'une vision politique. Ça me fait penser à un client qu'on a accompagné récemment. C'était son premier recrutement. Il est spécialisé dans tout ce qui est confection de glace locale et vegan. Mm-hmm. Et ben, même chose, le fait qu'il ait persévéré dans son activité l'a emmené à faire son premier recrutement. On a eu la chance de l'accompagner. Et son recrutement, c'est un jeune qui a fait toutes ses écoles de pâtisserie en France, qui voulait revenir ici, et qui, justement, était très fan de tout ce qui était local et autres. Le mélange est magnifique. Et c'est vrai que c'est une de nos plus beaux recrutements aujourd'hui. Ah bah ça, franchement, c'est une bonne chose. Mmh. Alors, on va passer la vidéo, les vidéos de votre projet. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Il n'y a pas de souci. De l'ambiance et encore de l'ambiance. Ça, c'est pas nous, ça. Les vidéos, les dernières vidéos. Après les offres d'emploi. Alors, on parle souvent des jeunes qui partent faire des études en France ou ailleurs et qui ne reviennent pas. À mon avis, ça peut être lié au fait que les études qui sont effectuées par ces jeunes ne soient pas forcément adaptées aux besoins des entreprises locales. Moi, j'ai un bac plus 5 en marketing digital que j'ai obtenu sur Paris. Et mon projet, c'était de devenir chef de projet digital. Sauf qu'à mon retour en Guadeloupe, j'ai été confrontée à la réalité du territoire. C'est que les entreprises locales ont plus besoin de commerciaux que de chefs de projet digitaux. Bon, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais adapté mon schéma de formation. Avec du recul, je me dis que la jeune bachelière de 18 ans que j'étais aurait dû se renseigner sur le tissu économique du territoire guadeloupéen avant de sélectionner une filière d'études. Et d'ailleurs... Bon, ça, c'est les aléas du direct. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On peut remettre la vidéo? Ou peut-être la seconde partie. Je pense que la seconde, ça a coupé parce que la première... Sabine, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. C'est la raison pour laquelle on entend plein d'autres choses. Non, mais en fait, il faut couper le zoom. Qui s'est retrouvé obligé de refuser une candidature d'une personne qui était beaucoup trop qualifiée et qui avait beaucoup trop d'expérience dans un secteur qui est relativement pointu. Finalement, la dure réalité du terrain en Guadeloupe, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très qualifiés et qui se sentent obligés d'accepter des postes en dessous de leurs compétences parce qu'il faut bien qu'elles financent leur retour au pays. Les employeurs, ils ont peur de ce type de profil parce qu'ils se disent « il va s'ennuyer, il va finir par partir » ou alors « il va me demander un salaire mirobolant ». Et du coup, les employeurs ne les recrutent pas. Et on se retrouve avec des chômeurs qui ont des bac plus 4, bac plus 5. Et vous, à votre avis, est-ce qu'il existerait une solution pour pouvoir garantir à ces personnes qui partent faire des études en France ou ailleurs un emploi, en tout cas, quand ils reviennent au pays? Alors, il y a une deuxième vidéo qui suit celle-ci. Donc, c'est la deuxième...
Ah, donc ça, c'était déjà la deuxième partie. Bon, ouais. On est un petit peu brouillot aujourd'hui. Hein. Désolé, pas de souci. Alors, si vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait là. Bien sûr. Alors là, ce que vous avez vu, c'est Audrey qui est notre business developer à Officium Conseil, mais également qui va être chroniqueuse dans notre média. C'est-à-dire que Officium Conseil, on est là depuis plusieurs années. Mm-hmm. J'ai lancé ce cabinet parce que moi-même, j'étais un jeune qui est revenu au pays. Je me souviens, on avait fait le lancement. Exactement, on avait pas mal de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens dans mon cas. Et le talent, c'est un truc qui m'a inspiré. Et donc, on a lancé le conseil. Où maintenant, on accompagne les entreprises pour mieux manager, recruter et autres. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il y a des choses qu'on peut faire à côté pour un peu inspirer, informer et activer la jeunesse autour de nous. Donc, on a lancé ce média, Caribbean Best Place to Work, parce qu'on avait des choses à dire finalement. Et on va parler de tout. Il y a le tuto du recruteur, je vous donne des petits conseils pour le recruteur. Il y a mon alternant qui donne des petites astuces pour comment se faire voir en ligne. On a Audrey qui fait des chroniques justement sur un peu ce qu'elle rencontre chez les clients et autres. Et là, c'est fait de manière très spontanée où en fait, elle avait signé avec un client qui voulait, on voulait lui proposer un consultant en finance, mais trop qualifié, qui n'est pas passé. Mm-hmm. Et elle s'est rendue compte qu'elle était elle-même dans ce cas-là. Et en général, en fait, ce média, ça permet en fait de parler de la vie de tous les jours des talents d'aujourd'hui. Nous, ce que l'on voit, qu'on est confronté justement à ce genre de fracture. Et souvent, ça finit par un direct où on discute avec notre communauté. Donc cette vidéo-là, en général, c'est une vidéo parmi tant d'autres pour les faire réagir. Et après, leur donner rendez-vous en général le vendredi pour parler un peu de ça. Donc là, en général, quand on fait des directs, c'est beaucoup de conseils, mais beaucoup de discussions. C'est-à-dire, autant j'ai ma casquette de chasseur de tête, expert en recrutement, mais autant j'ai ma casquette de talent qui a vécu la même chose. Donc on parle vraiment très ouvertement. C'est comme, on va dire, une sorte d'open mic du talent. On parle de tout, de rien et en même temps de choses très concrètes. D'accord. Alors, si moi, je suis un jeune sur les barrages, là, comment je fais pour vous joindre? Quel est le numéro de téléphone? Ou c'est où sur Facebook? Je veux tout savoir. Alors, nous, on est très digitalisés. C'est-à-dire qu'on nous trouve, par exemple, sur Internet, déjà, il peut tout avoir chez nous. Notre mail, déjà, il voit toutes les annonces d'emploi sur officiumconseil.com. J'essaie de me retenir le numéro Internet. De téléphone d'Officium. On a un numéro de téléphone également. Est-ce que c'est inscrit sur les offres d'emploi? Parce qu'on va avoir des offres d'emploi qui vont s'afficher. Est-ce que c'est inscrit dessus? On va regarder. Alors, ça en général, non. Parce que sur les offres d'emploi, ils vont juste aller sur notre site internet et ils déposent leur candidature. Sinon, s'ils veulent des informations sur WhatsApp, c'est 06 90 82 55 18. Et sinon, sur Instagram, tout simplement. Où ils suivent la communauté, ils regardent un peu ce que l'on fait. La page Instagram, c'est Caribbean Best Place to Work. Donc, la Caraïbe, mieux endroit où travailler. Avec ou sans barrage, on en est sûr. Et ils se connectent chez nous. Même s'ils n'ont pas une offre qui les concerne, ce n'est pas très grave en fait. On peut, s'il y a une offre qui ne les concerne pas aujourd'hui, ça peut les concerner demain. Mais surtout, on est là aussi pour leur donner des conseils, discuter avec eux, essayer de voir un peu ce qui se passe et voir comment les accompagner, surtout. D'accord. Alors, on va passer les offres d'emploi. Donc, il y en a pas mal quand même. Et vous allez nous expliquer ce que c'est, quelles sont les entreprises, comment ça fonctionne, qui veut quoi. Alors, responsable exploitation qualité, BTP, c'est quoi? Alors, en plus, c'est bien payé, ça, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça qu'avant, je l'ai passé tout le temps, parce que c'est bien payé. Les gens ne peuvent pas se plaindre que c'est le SMIC ou c'est bien payé, quoi. Allez-y. Alors, c'est assez varié. Et là, c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec un groupe qui est basé en Guadeloupe et en Martinique, spécialisé dans le BTP. C'est-à-dire que c'est eux qui vont accompagner tous les chantiers pour fournir justement tout ce qui est matière première, donc béton, gravier et autres. Et là, ils ont besoin d'un expert. Quelqu'un en fait qui va se charger de vérifier la qualité du béton de manière à s'assurer finalement que ça respecte bien, on va dire, tous les critères nécessaires. Mm-hmm. Et donc, même chose, on voit la référence en bas, c'est très simple chez nous. On va sur le site internet, officium-conseil.com. On va lui demander s'il a un talent, bien sûr, il répond oui. Il met la référence et puis là, notre équipe s'occupe de lui. Il passe notre session de recrutement, on s'occupe de lui, on le présente au client. D'accord, alors la deuxième offre, on va les faire défiler. Responsable marketing et communication. Alors, là aussi, c'est un très beau groupe. C'est un groupe qui est présent un peu partout en plus. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, France. 3750, 4580. Donc là, si les Martiniquais me disent qu'ils ne vont pas postuler tout de suite, c'est clair. C'est pas la peine de venir pleurer encore dans nos oreilles. Clair. Hein. Là, on cherche quelqu'un vraiment aux épaules solides. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un gros groupe avec plusieurs marques. C'est quelqu'un qui va réussir à définir un fil conducteur sur toutes les marques. Et être force de proposition, dire voilà comment je vois les choses, voilà comment on va faire les choses. Donc quelqu'un qui a une belle vision, quelqu'un qui sait manager, qui a une force de leadership et qui sait en tout cas rendre une idée réelle. Ouais, c'est un beau projet pour quelqu'un qui a de bonnes compétences. D'accord, alors on continue de faire défiler les offres d'emploi. Responsable parc automobile. Alors, celle-là, c'est quelqu'un qui va devoir gérer un parc automobile d'une société spécialisée dans la location automobile.
Et là, il s'agit d'une belle société parce que là, on est à quoi, près de 1000 véhicules qui va gérer sur la Guadeloupe, la Martinique. Il va devoir un peu gérer les coûts, savoir quel prestataire prendre. Il va choisir sa petite équipe de prestataires pour optimiser les coûts, gérer les véhicules et bien sûr s'assurer que les clients aient toujours un véhicule en temps et en heure. D'accord, en plus c'est pareil, le brut il est pas mal non plus. On continue de faire tourner les offres. La prochaine c'est responsable comptable. Oui, alors responsable comptable, le salaire est à négocier parce que là le client est très ouvert, très très ouvert. Là il s'agit aussi d'un grand groupe spécialisé dans tout ce qui va être automobile et autres. Là c'est sur la Guyane qu'on les accompagne, on les accompagne également sur la Guadeloupe. Et là ils ont besoin, en fait ils ont tout un plateau comptable pour gérer on va dire les entrées et les sorties. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit bon comptable et quelqu'un qui a un bon sens du leadership pour donner envie aux autres comptables, on va dire, de se dépasser. Alors ensuite, on a la prochaine offre. Kevin, ah oui, donc ben ça, voilà. Allez-y, expliquez. Le petit tuto. Alors on essaie de simplifier les choses vraiment au maximum. On est très dans le digital, même pas besoin de nous appeler. On va sur le site internet officiumconseil.com, on clique sur « Je postule », on met la référence. Là, vous recevez un petit email avec la fiche de poste et normalement, dans les 24 heures, on vous appelle, on vous tient au courant. Et c'est vrai que l'expérience utilisateur, on appelle ça plutôt l'expérience talent, chez nous, c'est très important. L'idée, c'est vraiment de border le talent à partir du moment où il a mis son CV sur le site jusqu'à ce qu'il ait signé, voire même après, où on l'accompagne. Donc, déposez votre CV et même si ce n'est pas pour le poste en lui-même, vous faites une candidature spontanée, on s'occupe de vous. Il n'y a pas de souci pour ça, nous, on adore échanger. D'accord, bon, ben, c'est super. Ensuite, on continue, on a d'autres offres experts en système et réseau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poste? Alors, ça, c'est un expert, mais quelqu'un qui a envie de partager sa passion. C'est quelqu'un qui veut être formateur. Donc là, en fait, on s'adresse justement à tous ces jeunes qui reviennent et qui veulent passer à leur compte parce qu'ils sentent qu'ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on sait que le business, c'est dur aux Antilles quand on commence. Donc là, ça permet justement de pouvoir gérer un petit fixe. On reste en indépendant, mais mon expertise, je deviens formateur pour justement enseigner aux jeunes à prendre la relève. Alors, c'est un très gros centre de formation qui a compris qu'en fait, il vaut mieux chercher des experts qui vont apprendre à être formateurs que des formateurs qui ont oublié d'être experts. Et donc bien, là, c'est une belle occasion. On en a placé déjà quelques-uns. Malheureusement, le contexte a fait qu'on a dû stopper. Mais normalement, si tout se passe bien, le client reprend le recrutement. Il recrute énormément de formateurs en ce moment. D'accord, bah c'est bien. Et la dernière, donc serveur barman, oui, chef ça, de rang. C'est notre offre coup de cœur. Alors c'est un de mon client culturel, c'est mon client préféré en vrai, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il fait les choses, j'aime son engagement sur son pays et autres. C'est un restaurateur que j'accompagne depuis pas mal de temps et justement je voulais l'accompagner justement dans tout le recrutement de son équipe de restauration parce que bon forcément il a perdu, forcément ça a des conséquences finalement, autant de vagues de confinement, couvre-feu et autres. Ouais. Et ça m'embête un peu parce qu'il m'a appelé, il a dit qu'il était chaud, c'est bon c'est la dernière et puis bam, il y a eu les barrages. Donc en vrai je sais pas. C'est à lui de voir, je pense que c'est lui qui va connaître mieux son business et pouvoir me dire si on y va, mais en tout cas moi je serai un plaisir de l'accompagner. Donc on est toujours en veille, tous les gens de la restauration qui veulent retourner pour travailler dans un resto avec une belle valeur ajoutée, fiers d'être bossés dans ce resto, franchement c'est l'occasion. Ouais. Alors comment ça se passe pour rencontrer les entreprises? Ça fonctionne comment? Vous faites comment pour les trouver? Parce que moi, toutes les offres d'emploi que j'ai toujours présentées, je crois que ça fait peut-être 2 ans qu'on a commencé, quand vous avez ouvert, oui. Donc 3 ans même qu'on a commencé de temps en temps à mettre. D'ailleurs, je pense qu'on va reprendre tous les lundis. Aucun problème, quelques offres. Mais c'est toujours des trucs bien payés. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous avez mis en place un réseau en revenant pour pouvoir aider ceux qui reviennent ou ceux qui travaillent ici à bénéficier de votre réseau? Ou comment vous faites? Est-ce que vous allez voir les entreprises? Comment ça fonctionne? Eh bien, à vrai dire, les offres, j'avoue, ça dépend. Il y a des fois des offres où être un peu moins payé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le client, on cherche toujours un client qui a quelque chose à offrir. Mm-hmm. Par exemple, le poste dont je parlais, cette personne qui a fait sa glacerie avec local et vegan. Ah, ça, il n'y a plus l'offre en plus. Ah, mais là, il n'y a plus l'offre, elle est partie. Mais voilà, il n'avait pas un salaire mirobolant, mais ce qu'il offrait, c'était énorme. Qualité de travail, le incroyable. Truc exactement, et autres. Et en fait, c'est notre ligne de conduite, toujours quelque chose à offrir. C'est-à-dire que le candidat, le talent, il vient mettre son talent. On a repris 3 axes de motivation, c'est la rémunération, c'est les missions et c'est la qualité de vie au travail. Il faut qu'il y en ait au moins 2 sur 3. Et après, comment on nous trouve en général? Audrey, qu'on a vu la vidéo, fait un super travail, c'est notre ingénieur d'affaires. Elle fait un excellent travail sur LinkedIn où elle met notre expertise. Après, on développe énormément de contenu sur qu'est-ce que la marque employeur, comment rendre des salariés heureux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en partageant ce contenu un peu partout sur LinkedIn et sur des avis d'experts, on a tiré des chefs d'entreprise qui voulaient rendre leurs salariés heureux. Ah, ça, c'est bien. Tout ça. Simplement. Et du coup, donc, ils viennent à nous. Autant on va les conseiller, autant ils vont besoin de recrutement. Et ça fait qu'en fait, on s'est créé au fur et à mesure
Réseau, les dernières, je me souviens, il y a eu un événement avec la boxe, vous étiez venu nous en parler. C'était quoi ça? Qu'est-ce que vous avez alors, mis en place? Ça, c'était le premier événement officiel de notre cabinet. C'était la Talents League, en fait. Ouais. On a recruté de super commerciaux toute l'année. Et on s'est dit, tiens, on va faire un gros concours d'éloquence. Et on a mélangé un peu notre passion, c'était le sport et la boxe, le concours d'éloquence et un peu ce côté battle. Et ça a fait un très, très gros événement. Mm-hmm. On était quoi? On était au Spot Co-Ranking à l'époque. On était environ un peu plus de 120. Mm-hmm. On a envie de le refaire, d'ailleurs. Ah bah, il faudrait. C'est clair. Fun fact sur ça, on voulait en faire une. On était en train de programmer. Et c'est vrai qu'il y a eu le premier confinement à ce moment-là. Ouais, mais on s'est un peu calmé. Les soirs du Covid, ils nous cassent les pieds, là. Ils nous empêchent d'avancer, en fait. Mais en vrai, comme je disais, on est des 4x4. C'est ça qu'on a lancé le média. Le média Caribbean Best Place, c'est pour se dire, il n'y a rien qui nous limite. On est sur le média et on va reprendre pas mal de petits tournages, comme ça, des Talents League en ligne, des Caribbean Best Place, pas mal d'événements et de contenus, en fait, originaux qu'on n'a jamais encore vus, qui mettent en avant le talent et qui inspirent le talent. C'est la ligne de conduite. D'accord. Alors bon, tout à l'heure, comme ça a été coupé, Kevin, s'il te plaît, merci beaucoup. Kevin à la régie, bien évidemment. Si on peut, avant la fin de l'émission, remettre juste les deux vidéos pour que les gens puissent vraiment voir la première et la deuxième en entier, parce que c'est vrai qu'on a été coupé tout à l'heure. Mais par rapport à la situation de maintenant, vous entendez ce que dit la jeunesse, pas assez de formation, ils n'arrivent pas à trouver les éléments, enfin voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aller plus loin? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de dispositifs, donc après, peut-être mettre encore plus de communication, mettre plus de réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse, en fait, elle est demandeuse quand même. Hein. Alors, elle est demandeuse, mais ce qui est intéressant, il faut vraiment porter attention à la diversité du message de la jeunesse. En fait, on est dans une situation où la Guadeloupe est pas mal assez divisée, et en fait, il y a plusieurs messages qui résonnent en même temps. On a une jeunesse énervée, on a une jeunesse qui a peur également, qui était en plein cursus, qui voulait trouver son travail et autres. Et en fait, je pense qu'il faut écouter tous les messages. Autant justement pour les jeunes qui ont un peu peur pour trouver du travail maintenant, ce qu'on leur dit, on les forme. On leur dit, voilà, comment mettre ton CV en avant quand le chef d'entreprise, du coup, il sort d'une grande crise. Et pour les jeunes qui veulent justement plus de formation et autres, souvent, je parlais de ça justement à ma stagiaire, et elle disait que c'est vrai que nous, on est une très petite boîte. On recrute pas mal de gens. On essaye, en tout cas, j'aurais aimé recruter beaucoup plus. Et c'est vrai que notre jeunesse a beaucoup de choses à apprendre au sein de jeunes boîtes qui, en fait, ont la créativité, l'énergie, pas forcément la trésorerie. Et c'est vrai que, par exemple, l'aide à l'alternance qu'ils ont fait l'année dernière et cette année était intéressant. Ça a permis à beaucoup de jeunes, en fait, au lieu d'aller faire leur alternance comme d'habitude dans des grands groupes, aller les faire dans des startups qui leur apprennent la passion de la chose. Et surtout, qu'ils apprennent énormément de choses en termes de compétences. J'ai un alternant aujourd'hui, Lohan, qui est en stage en RH. Aujourd'hui, autant il maîtrise le recrutement, il maîtrise l'audiovisuel, il maîtrise le mailing, le marketing digital en moins d'un an. Parce que il faut charbonner chez nous. Mm-hmm. Et ça, ce genre de choses, ça devrait être multiplié. Parce que les jeunes boîtes, c'est souvent des jeunes entrepreneurs qui connaissent ces techniques, on est des débrouillards dans l'âme. Et du coup, ça permet du coup d'apprendre à cette jeunesse à être débrouillard. Et je pense que quel que soit le diplôme que l'on fait, de Bac plus 1 à CAP, à Bac plus 5, à informatique ou autre, la première chose à apprendre, c'est apprendre à être débrouillard. Yes, si on a un Bac plus 9 en je ne sais quoi et on n'est pas débrouillard, on va mourir la bouche ouverte en 5 jours en période de crise. Donc c'est un peu ça qu'il faut nous apprendre, je pense. D'accord. Et par rapport aux offres que vous avez, parce qu'on entend beaucoup les gens dire qu'ils vont demander des choses à Pôle emploi, mais soit ils sont mal accompagnés, soit c'est plus difficile. Est-ce que vous voyez une différence ou pas? Ou est-ce que c'est par rapport au rapport que vous avez avec les entreprises? Je pense que nous, en tant qu'entreprise, du coup, on a peut-être un rapport un peu plus fluide. Décontracté. On prend le temps de discuter et autres. Je leur explique même comment je recrute. On recrute des stagiaires quelquefois. Ils sont très réactifs justement pour nous faire des conventions de stage. Donc, ça va de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de dispositifs. C'est vrai qu'à côté, je suis également formateur en ressources humaines et j'ai accompagné énormément de jeunes sur leur cursus et leur carrière. Et souvent, je leur dis, tiens, appelle le Pôle emploi pour ça, parce qu'ils ont tel dispositif. Et des fois, ils n'étaient même pas au courant. Mais c'est ça, c'est d'où ma question de tout à l'heure. Comment faire pour qu'ils soient au courant de tous les dispositifs? Puisque mettre peut-être, je ne sais pas, plus de communication ou des événements, peut-être. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait le salon de l'entrepreneuriat ou un truc comme ça, et quelqu'un m'avait appelé pour me dire, mais Sabine, je ne comprends pas, la Guadeloupe, c'est l'un des départements où il y a toujours le plus d'événements pour les entrepreneurs, et là où il y a pratiquement le plus de chômage chez les jeunes. Donc, il y a un endroit où ça bloque, non? Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de TPE et de PME, on a beaucoup de jeunes entreprises qui veulent recruter, mais en fait, il faut savoir que le passage de micro-entreprise où je suis seul à un seul salarié, c'est comme passer de la catégorie poids plume à la catégorie poids lourd directement. Et souvent, on se prend une vraie patate. Mais moi, je l'ai vécu d'ailleurs. L'année dernière, j'étais en micro-entreprise. Aujourd'hui, je suis passé à 3 salariés.
C'est peut-être pas le bon timing, mais c'est vrai qu'on s'est pris des coups dans le front, dans le ventre. Et ce passage-là, très peu en survivent, et surtout, même très peu ont envie de le faire, en fait, parce que c'est dur. Et je pense que ce passage de... Je sais pas, en fait, je suis pas... Jamais très... j'aime pas me mettre en conseiller sur dire où est-ce que l'argent devrait aller ou autre, mais c'est vrai que ce projet par paroisse, forcément, il y a beaucoup de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs qui se mettent à énormément dans leur travail, mais qui ont peur de recruter, qu'ils auraient besoin de recruter, soit pour la gestion, soit pour créer plus de valeur, et, mais qui ne le font pas. Parce que le coût du travail est trop cher aussi. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est quelque chose qui revient partout. C'est clair. Ça... Et en général, quand on recrute, c'est qu'on était capable de le faire. En fait, c'est qu'on a au moins 5, 6, 7, 8, 9 garanties derrière qui nous permettent de recruter. Mais du coup, ça retire l'occasion de 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui auraient pu être recrutées avant. Mm-hmm. Parce qu'en effet, la prise de risque est énorme. D'accord, Bobin, merci. Donc, on va repasser les deux vidéos rapidement pour que vous puissiez vraiment bien voir et bien comprendre ce qui a été fait. Et après, vous allez nous donner, vous avez un événement bientôt, vous allez nous donner le rendez-vous. Exact. Alors, on parle souvent des jeunes qui partent faire des études en France ou ailleurs et qui ne reviennent pas. À mon avis, ça peut être lié au fait que les études qui sont effectuées par ces jeunes ne soient pas forcément adaptées aux besoins des entreprises locales. Moi, j'ai un bac plus 5 en marketing digital que j'ai obtenu sur Paris. Et mon projet, c'était de devenir chef de projet digital. Sauf qu'à mon retour en Guadeloupe, j'ai été confrontée à la réalité du territoire. C'est que les entreprises locales ont plus besoin de commerciaux que de chefs de projet digitaux. Bon, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais adapté mon schéma de formation. Avec du recul, je me dis que la jeune bachelière de 18 ans que j'étais aurait dû se renseigner sur le tissu économique du territoire guadeloupéen avant de sélectionner une filière d'études. Et d'ailleurs, plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec une cliente qui s'est retrouvée obligée de refuser une candidature d'une personne qui était beaucoup trop qualifiée et qui avait beaucoup trop d'expérience dans un secteur qui est relativement pointu. Finalement, la dure réalité du terrain en Guadeloupe, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très qualifiés et qui se sentent obligés d'accepter des postes en dessous de leurs compétences, parce qu'il faut bien qu'elles financent leur retour au pays. Les employeurs, ils ont peur de ce type de profil, parce qu'ils se disent, il va s'ennuyer, il va finir par partir, ou alors il va me demander un salaire mirobolant. Et du coup, les employeurs ne les recrutent pas. Et on se retrouve avec des chômeurs qui ont des bac plus 4, bac plus 5. Et vous, à votre avis, est-ce qu'il existerait une solution pour pouvoir garantir à ces personnes qui partent faire des études en France ou ailleurs, un emploi, en tout cas, quand ils reviennent au pays? Bon ben voilà, donc bonne question, existe-t-il une solution? On va faire le suivi aussi de tout ça, vous reviendrez quand même pour nous dire où vous en êtes, comment vous avancez. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Parce que vous avez des événements en cours, quels sont-ils? Oui, donc c'est toujours l'événement régulier, un petit direct sur notre page Instagram, donc Caribbean Best Place to Work. On aime appeler ça la Caraïbe qui influence le monde. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est vrai, ça en plus. Hein. On est un moteur. But. Ne serait-ce que pour la biodiversité, normalement, avec ce qu'on a chez nous. Exact. Que ce soit là, en Calédonie, en Californie, ils devraient tous acheter chez nous. On devrait faire des films comme en Australie avec des sirènes partout, nos moments de vie et tout. Non, mais sérieusement, c'est une grosse filière de développement d'emploi. Ah, mais clairement. D'ailleurs, la région a un objectif sur la biodiversité et objectif zéro défaut en 2035. On dirait que personne ne... J'arrête pas de le répéter, ça. Personne ne se dit, ah tiens, un truc créateur d'emploi, viens, on va créer des emplois sur ça. C'est bizarre. Que font-ils? On lance un appel, que faites-vous, messieurs? Accélérez. Il faut. Allez-y. Donc voilà, si vous voulez en tout cas soit postuler, même pas seulement postuler, juste chercher un peu d'inspiration parce que là vous en avez besoin, ou chercher des petites informations qu'un recruteur va peut-être pas vous dire. Vous allez sur notre page, on a un rendez-vous, donc c'est vendredi. On confirme de l'oreillette que c'est peut-être pas à 18h, donc en tout cas c'est vendredi. D'accord. Vous vous connectez, vous verrez, c'est très bonne ambiance. On parle, on échange, on discute. Si vous avez une question, vous la posez librement, on est là pour ça. Donc voilà, en tout cas, si j'ai un petit mot de la fin, en tout cas, de rien lâcher, de rester solide, surtout en temps de crise. C'est là où faire deux fois plus. Il faut savoir être débrouillard, innover et en tout cas atteindre l'objectif. Donc, courage à tous.
Voilà, ben ça revient à la phrase que nous donnait Tony Jazz en début d'émission. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, alors peut-être, je ne m'avance pas trop, qu'on aura un retour par rapport à cette histoire de... Vous savez qu'on a fait une émission sur la reconversion professionnelle, sur tout ce qui est personnel soignant. On est en train, moi je suis en train de suivre le dossier, c'est en train d'avancer, donc on vous tiendra au courant, on verra si on fait une émission dessus la semaine prochaine ou sinon ce sera le lundi suivant en fonction de nos retours. Normalement, on se voit mercredi, j'en dis pas plus. À la prochaine. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir d'être venu. Oh là là, on va y arriver aujourd'hui sur notre plateau. Y a pas de souci. Bye bye. Au revoir. Alors, on parle souvent des jeunes qui partent faire des études en France ou ailleurs et qui ne reviennent pas. À mon avis, ça peut être lié au fait que les études qui sont effectuées par ces jeunes ne soient pas forcément adaptées aux besoins des entreprises locales. Moi, j'ai un bac plus 5 en marketing digital que j'ai obtenu sur Paris et mon projet, c'était de devenir chef de projet digital. Sauf qu'à mon retour en Guadeloupe, j'ai été confrontée à la réalité du territoire. C'est que les entreprises locales ont plus besoin de commerciaux que de chefs de projets digitaux. Bon, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais adapté mon schéma de formation. Avec du recul, je me dis que la jeune bachelière de 18 ans que j'étais aurait dû se renseigner sur le tissu économique du territoire guadeloupéen avant de sélectionner une filière d'études. Et d'ailleurs, plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec une cliente qui s'est retrouvée obligée de refuser une candidature d'une personne qui était beaucoup trop qualifiée et qui avait beaucoup trop d'expérience dans un secteur qui est relativement pointu. Finalement, la dure réalité du terrain en Guadeloupe, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très qualifiés et qui se sentent obligés d'accepter des postes en dessous de leurs compétences, parce qu'il faut bien qu'elles financent leur retour au pays. Les employeurs, ils ont peur de ce type de profil, parce qu'ils se disent, il va s'ennuyer, il va finir par partir, ou alors il va me demander un salaire mirobolant. Et du coup, les employeurs ne les recrutent pas. Et on se retrouve avec des chômeurs qui ont des bac plus 4, bac plus 5. Et vous, à votre avis, est-ce qu'il existerait une solution pour pouvoir garantir à ces personnes qui partent faire des études en France ou ailleurs, un emploi, en tout cas, quand ils reviennent au pays?